Bon, bonjour, je... Petite Marie, je parle de... Ah oui, la moustache. Ouais, je sais, ça fait un peu bizarre au début, mais quand on s'y habitue, on se rend compte que ça me va assez bien. Faux ! Parfois dans la vie, tu tombes sur le truc cool avec lequel faut absolument que tu te prennes en photo. La lumière est parfaite, ce jour-là t'as mis tes meilleurs saves, t'es bien coiffé, t'es au max, toutes les conditions sont réunies pour faire la photo Insta parfaite, à un détail près. Ton pote qui prend la photo, sait pas faire les photos. Comment on enlève le flash? Alors soit il en a rien à foutre. Évidemment que je serai là vendredi chez Nico, ça, 250 personnes. Soit il s'est pas cadré. Alors qu'est-ce t'en penses? Alors, elle est pas mal, il manque juste mon visage, quoi. Soit sans faire exprès, il fait ce truc hyper énervant avec son doigt. Ah tiens, c'est marrant, il y a ton doigt qui gâche la photo. Soit il met 5 ans à faire la photo et toi tu vis un moment bien gênant. Voilà, nickel, ne bougez pas. En carré, ça sera mieux. Voilà, super, je suis comme ça, je vous ai bien. C'est bon? Je mets le flash. Ça y est, là, non? Ah putain, je suis en mode selfie, comment tu retournes la caméra? Ça te finit ou pas? Ah, j'ai un peu mal au bras, là. Ou alors, tout simplement, il a juste aucun talent. La photo que tu imaginais et la photo que t'obtiens vraiment. Et ce qui fout la rage, c'est que toi, tu traînes avec ce pote qui te fait des photos nulles en permanence, alors que toi, tu lui fais des pures photos qui méritent pas du tout. Ouais, j'ai des vrais problèmes dans la vie, ok? Bon, après, des fois, c'est toi qui prends la photo, mais c'est le modèle qui est chiant. Hein. Ça arrive assez souvent. En vertical, s'il te plaît? Vertical. Une en horizontal. Celle-là, on l'a déjà fait, hein. Tu la revois quand même? Essaie de bien m'avoir. Y en a beaucoup, hein, on va pas se mentir. Attends, j'en fais une où je souris. Je crois que le musée est en train de fermer, là, mais c'est pas grave. Vu que je suis un peu petit, tu peux te baisser un peu, s'il te plaît, pour voilà. Ok. Ouais, juste une dernière, ok? Juste une dernière. Et le pire, c'est que ce mec qui t'a demandé de prendre 1000 photos absolument identiques te demande de choisir laquelle tu préfères. Non, mais attends, mais j'hallucine. À ce moment-là, dans ta tête, tu joues au jeu des 7 différences. La main! Évidemment, mais la question c'est de savoir c'est laquelle tu préfères entre les deux. Ah, ça? Ça, je sais pas. Quand on prend une photo à deux, il y a toujours une petite bataille parce qu'on se trouve pas forcément beau sur les mêmes, tu sais. Et dans ces moments-là, il y a toujours de la mauvaise foi, hein. Ça, c'est inévitable. Eh hey, mon gars, on est tous les deux beaux gosses, là. Ouais. Ouais, tous les deux, sauf moi, mais tous les deux beaux gosses, ouais. Des fois, quand je vois le compte Insta d'une influenceuse, je me dis, putain, elle a vraiment une vie de rêve, ses photos Insta, elle tue, elle est super belle, son mec, il doit avoir trop de la chance, quoi. Réalité. Mais rapproche-toi! Excuse-moi. Faut qu'on voit le smoothie! Ok, d'accord.